Avant, j'étais une femme. Ma vie n'était pas vraiment celle que vous croyez. Vous ne pouvez pas savoir ce que ça fait de voir toutes ces choses. C'est pourquoi aujourd'hui, Monsieur K va vous emmener dans un nouveau titre d'horreur, d'épouvante, d'exploration et d'infection, qu'est ce The Medium. Oui, un jeu assez particulier, avec un aspect plutôt intéressant, qui n'est pas du tout celui de ce trailer en live action. Vous allez voir que il y a moyen de s'y amuser, ou... Je ne peux plus jamais dormir en fait. Vous, je sens que vous aimez bien l'urbex et tout ça. Vous savez, tous ces trucs où on va se balader dans des lieux pas très clairs. Surtout la nuit. Et puis qu'on explore et on essaye de faire revivre leurs histoires passées. Ces lieux abandonnés qui sont étranges. Et je sens que... Je sens... qu'il va m'arriver des trucs bizarres. En tout cas, c'est ce que me propose The Medium, ce jeu nouveauté qu'on va découvrir aujourd'hui, qui a quelques particularités et originalités que j'espère excellentes. Et qui devrait nous emmener aux limites du pas très normal. On est parti. It all starts with a dead girl. Ever since I was little, I've had this dream. It's the end of summer. A girl is running through the woods. The moon, the scent of pines. And then the gunshot. It always felt so real. The blood on my cheek, the cold sweat running down my skin. I'd managed to convince myself it really happened, this scar of a memory. A part of me I could never fully understand. Well, that wasn't the only part. No wonder people used to think I was strange. If they only knew.
That day when the phone rang, it was the hardest day of my life. The day I went home to say goodbye to my father, to dress him up for his last journey, put him in a suit, fix his tie. Simple. Just the things he did every day. But looking through his stuff wasn't easy. I needed a moment to pull myself together. I was almost ready. I just had to find his special tie clip. La checklist du jour. Ça me dit pas grand chose, mais c'est pas grave. Alors, le principe de The Medium, ça va être de reprendre des gameplays assez connus hein, qu'on a déjà croisés dans l'autre jeu, mais d'y apporter sa propre ambiance. Il semble que le jeu soit joliment développé. Nice to see you too. Joliment développé sur sa partie mise en scène. On va faire un câlin au chat, c'est important. Jack's room. It's like he never. Quoi, on ne peut pas hug le cat. Non, non, vraiment. Jack was a humble, religious man. He ran a funeral home, and I'd help out whenever I could. It felt good to be useful. I used to think I'd never fit in. But Jack, he didn't mind my weirdness. He kept telling me I was special. Keep hissing at me. Who do you think's gonna feed you now? Bah alors le chat, t'es une boulette qui est coincée? Jack was part of the Solidarity movement. He spent a few months in an internment camp, but even that couldn't dampen his spirit. Alors on a le bon vieux principe de l'héroïne qui regarde dans une direction pour vous donner des indices. Il y a des trucs à observer plus ou moins. Genre celui-là, elle a pas trop envie, quoi. Pépette? Non? Interesting. Personnellement, je dois avouer que dans ces jeux, il y a un truc qui me chagrine, c'est l'angle de caméra fixe, qui, s'il est vachement bien pour la narration et la mise en scène, peut parfois être un petit peu pénible. Right. The tie clip. Pull yourself together, Marianne. Jack's tie clip. I need to find it. C'est d'où je viens, je présume, ça. Non, la kitchen. Donnez-moi à manger au chat quand même.
looks nourishing. Yummy. Ok, il va y avoir des objets à combiner. Oui, on est bien dans le Resident Evil. Ça va être marrant. Je peux donner à bouffer au chat quand même? Assez important. Here you go. What's your face? Glad to see you're still kicking around. C'est vraiment un vrai chat. Ils mettent pas long à détecter qu'on a présenté de la bouffe et que l'heure de la gamelle est pas loin. Can't believe it's all still here. On va faire du développement photo, les amis. C'est saut 20e siècle. Non, il faudrait qu'on trouve un film déjà, les amis. Ça serait mieux. About this one. I can do it now. The last photo I took of you, Jack. Shit. Oui, je vais éviter de trop parler pour vous faire un petit peu profiter de l'ambiance, que ce soit pesant, même si au début il n'y a absolument rien. On va essayer de trouver la sortie surtout. Ce serait bien. Ok. Weird to be back in my old room. So many memories. Yeah. I used to have a thing for him. Don't know why, really. I guess they just used to make me happy. Jack knew it well. That's why there's so many of them here. Alors, il y a un truc très très rigolo, c'est que ce jeu a beaucoup d'influence asiatique et que dans la symbolique japonaise, bah, le papillon, c'est le symbole de la mort, le symbole de l'âme qui s'envole.
Autre petite anecdote, oui, je vais faire mon Higgins aujourd'hui. L'auteur de la partie musique est relativement connu puisqu'on lui doit entre autres les bandes son de Silent Hill. Est-ce que ça servira de bonne inspiration pour ce jeu? Ah, bah, on va le savoir. Kids from the orphanage. Not all of them had my luck. That's why I kept coming back. To play. To take care of them. To listen. That was the least I could do. I used to get a lot of these. To me, they were like trophies, badges of honor for doing the right thing. Jack wasn't too amused, but he did his best to cover for me. I kind of feel bad for making him go through all that. My oldest family heirloom. As a kid, I'd show this to people just to freak them out. I'd usually say something like, "Pretty sick, huh?" I was such a dork. Come on, Jack, where'd you put it? Okay. Let's do this the other way. Alors oui, je vous l'ai dit préalablement. J'ai des pouvoirs. J'ai des pouvoirs de médium. Personne ne me croit. J'avais prévu des tas de choses pour 2021, mais j'ai pas le droit de vous les spoiler. Donc, je vais rien vous dire. Mais croyez-moi, je sais. Je sais tout. À part que j'ai mis un petit peu de temps à trouver cette attache de cravate. Mais bon, on va y arriver, petit à petit. Okay, I think that's it. Jack's waiting downstairs. Time to say goodbye. Heureusement qu'il est mort, sinon il se serait impatienté, je pense. We lived upstairs from Jack's funeral home. It wasn't as weird as it sounds. Besides, if it wasn't for that, I may never have learned to use my powers. Donc apparemment, j'ai des pouvoirs psy que je peux utiliser avec le bouton gauche pour essayer de choper des indices qui me seraient pas directement visibles. Si je fais exprès d'aller dans la mauvaise direction, ça vous ne le saurez jamais, parce que vous n'êtes pas médium, vous. Alors j'avoue pas être très fan de ces jeux à caméra fixe, hein, j'insiste, où on choisit pas vraiment son angle. Ça m'inconforte beaucoup. Et du coup ça replonge le jeu dans un mode très old school qui rappelle forcément Resident Evil. Jack taught me to accept my condition. Of all my foster parents, he was the only one who saw it as a gift. And not a curse.
Donc Jack était son mentor, comme tout le monde l'a compris. Je vous ai pas traduit tous les textes, parce que déjà ma traduction serait vraiment approximative. Je prendrais bien le bécan. C'est bien ce que j'ai lu. Jack's in the prep room. Oh, weird. I don't remember locking it. The key should be in the office. En tout cas, ce genre de jeu me fait penser très fort à quelqu'un qui plairait énormément. Et donc, mon frère astral de jeux vidéo, si tu reçois mes ondes, oui, j'ai ce pouvoir aussi. Je pense que il va falloir que tu jettes toi aussi un œil dessus. Here it is. Not sure if I'm ready for this. Hey, Jack. I got your special clip. No. Where's your tie? Alors, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'opérations. You wouldn't have it any other way. Il y a beaucoup d'opérations gratuites qui sont là juste pour faire durer. J'espère que cette impression va vite se dissiper parce que c'est le début. On a une mise en ambiance qui est assez conséquente. Mais il faudrait pas que ça s'étale tout le long du jeu, toutes ces opérations qui sont un peu... I didn't expect this to be easy. I'm
Guess I didn't know what to expect. When things get personal, it just burns you from the inside out. There. I guess you're ready. What am I? You people read. The sign says it's closed. Ça donne pas envie en fait. You felt it too, huh? And then it happened, as it did so many times before. Just when I thought my day couldn't get any worse. Aging gracefully. Listen, Jack. You should probably get some rest. Forget the notebook. Oh, no, no. I've got so much work, my dear. It's okay, Jack. No, I can't just... Let it go. It's not important. You are crying. Why is it so cold in here? Where is that? It's okay, Jack. It's okay. My sweet little Marianne. What would I ever do without you? Jack. Don't worry about it. It's time to get some rest. Oh, Marianne. Yeah? Oh, I'm worried about the surgery. When I'm at the hospital, are you sure you're going to be all right? Yes, Jack. It's going to be fine. You know, I promised myself once I would never let anything happen to you. Not while I'm around. I'll be fine.
I promise. No risky stuff, then. All right? All right, Jack. Get some rest. I need no. Yes. Be good, Marianne. I love you, my child. I've loved you since the moment you walked into my life. Remember that. Always. Donc voilà la grande originalité de ce jeu, c'est cette mise en scène qui va être vraiment très particulière. Would give anything to have that opportunity to say all the things that were left unsaid. But it didn't make things any easier. I could help a thousand souls cross over, but when it came to Jack, it still hurt like hell. I love you too, Daddy. I used to think everyone saw the world the way I did. Divided. Torn between two realities. But no. I was the only one. Or so I thought. We're closed. There's another funeral home across town. I can give you the number. Marianne. Who is this? You don't know me, Marianne. But I know you. Look, if this is a joke... You need to listen to me, Marianne. Okay, I'm hanging up. I know what you are. What? Who is this? My name is Thomas. I need your help. Listen, if that's all you've got, I'm... No, there's more. I can give you the answers you've been looking for your whole life. I need you to trust me. Trust you? I don't even know you. It all starts with a dead girl. What did you say? The Neva Resort. Find me there. Please. The light, it's almost gone. It's not dark yet, but it's getting there. You're the only one who can stop it. You're my only chance. Hello? Hello? Shit. Alors, je profite de l'intro pour éclairer sur 2-3 petites choses. Oui, comme d'habitude, je vais pas trop parler sur ce genre de jeu. J'ai eu la critique plusieurs fois. Les gens me disaient « Mais tu parles pas des masses sur certains jeux, c'est bizarre. » C'est pour vous laisser profiter d'immersion. Si vous voulez voir des jeux avec des gens qui font les andouilles sur leur webcam, vous avez plein d'autres chaînes pour ça. Ici, vous trouverez pas cette situation, c'est pas possible. Je préfère 10 000 fois mieux vous laisser profiter de l'ambiance d'un jeu qui en a besoin et qui en pose une, plutôt que de raconter des conneries dessus. Bon, dans un shmup, par contre, oui, je vais ouvrir ma gueule, forcément. Mais voilà, ceci explique cela et je tenais à rendre des choses claires. Alors, quand on voit les noms, on se dit ça a été fabriqué en Europe, ça. Oui, mais le jeu va chercher ses sources clairement au niveau du Japon. Les histoires de papillons, comme je vous ai raconté, la musique faite par un compositeur qui a étrangement bossé sur des titres bien connus et japonais. Ça fait peur. Est-ce que ça va être au niveau de ces titres horrifiques japonais qui fondent dans la suggestion davantage que dans les choses qui vous sautent à la gueule ? Moi, c'est ce que j'attends vraiment de ce jeu, sincèrement.
Après, si ça tombe dans le Resident Evil, pour revenir à la référence classique, peut-être vous, ça vous intéressera, mais moi, moins. And off I went, on nothing but a hunch. A call from a complete stranger. But I'd learned to trust my instincts, and there was something about this guy, his voice. I felt like I should know him. Either way, he sure seemed to know me. Maintenant, vous comprenez totalement pourquoi la caméra fixe a été utilisée pour ce titre, puisque oui, elle va jouer énormément sur l'immersion et sur la façon dont vont être posés les problèmes et ils vont pouvoir se résoudre. Très très souvent, votre écran, vous allez le découvrir, va être retrouvé, splitté en deux, et vous allez voir en même temps le passage réel de la scène en cours et en même temps ce que voit le médium, la médium pour être précis. The Neva Workers Resort. Right off the bat, I could feel there was something off about that place. En tout cas, on peut pas dire que le jeu est moche, hein. Ça, sur ça, c'est clair. Donc, jeu joli, mise en scène originale, intéressante. Reste à voir le niveau des énigmes qui nous attendent. Alors, il y a un truc que vous avez pas dans le stream, c'est les vibrations. Et on sent pareil l'influence des jeux japonais. Ça me fait penser inéluctablement à Project Zero, où beaucoup de choses étaient suggérées avant même qu'elles apparaissent sur l'écran par toutes les vibrations. Et je vous garantis que depuis le début du jeu, le titre en a usé et abusé. Je vous avais promis d'Urbex. Je vais tenir ma promesse. Ok, ça c'est tous mes documents, les mêmes mots. Ok. Donc là, on est parti en enquête sur l'appel d'un sinistre inconnu qui va nous parler de la mort d'une fille et de sa façon de résoudre tous mes problèmes, des problèmes qui sont dus à mes pouvoirs apparemment. Hello? Thomas? Il est trop loin. Front gate was locked up tight. Vous le voyez venir, ce que je redoute? Vous le voyez venir? Non, vraiment pas. Voilà pourquoi c'est moi le médium et pas vous. Les Quick Time Events. Je souhaite qu'il n'y en ait absolument pas. C'est vraiment pas mon truc. Not a whole lot of people knew about Neva. It used to be a government-owned vacation resort. Until one day it just stopped. And so urban legend was born. The Neva Massacre. The details were always fuzzy. Crazed workers, ancient curses. You know, the usual. Ah, y a un petit truc qu'on peut critiquer hein, depuis le début du jeu, c'est un peu la raideur du perso au milieu de tout ça. C'est sûrement fait à cause de contraintes dues à l'environnement et au décor. Mais ça se voit beaucoup hein, que notre Miss marche avec un balai qui est un endroit que je ne nommerai pas. Yeah.
Huh. Hello. What's this? Be my way in. Something happened here. Split would come and go. If a place had a story to tell, well, I guess I was there to listen. Alors, ce qui va être rigolo, c'est que je vais pouvoir faire des actions dans une des deux dimensions et pas forcément dans l'autre. Et je pense que sur ça, le jeu va révéler certains vices à des moments que je suis très pressé de découvrir. Dead. Like everything else in this place. Alors, je peux passer... donner la priorité à un des deux endroits. Là, je suis plutôt sur le monde de l'esprit. Et il est probable que je puisse interagir à des moments sur des trucs dans le monde de l'esprit qui auront des répercussions dans le monde réel. On va suivre ce merveilleux câblage. Yeah, not getting through here. Not with the power out. Oui. When you exist in two realities, you're affected by either. I'd learned that the hard way. C'est-à-dire que je peux pas utiliser l'autre monde pour...
pour essayer de passer alors que ça a l'air dégagé malgré tout. À moins que ce soit une barrière psychique. Je sais pas. The place felt old and soaked in misery. Figures, I guess. Quelque chose. 1,000 years of history doesn't just happen. It's paid for. But even in the deepest darkness, light can linger. Lonely, fragile, waiting for someone to embrace it. As I absorbed the energy, I wondered who it was that left it behind. A dying soldier whispering the name of his beloved? Or maybe just glad to be done with this world. In any case, I figured I could use it. Energy's energy, right? These powers of mine, as much of a pain in the ass as they were, they did come in handy sometimes. Donc, théorie vérifiée, je peux agir dans le monde des esprits et ça a des répercussions dans le monde réel. Alors, il y a un autre truc que je peux spoiler sur le jeu. Existing in two worlds, but never really living in either. C'est que j'ai vu dans les trailers, une chose qui m'a beaucoup plu, c'est que les trucs horrifiques sont davantage suggérés que montrés. Et je vous l'ai déjà dit pour pas mal de titres horrifiques que je vous ai déjà fait voir dans les émissions. Je trouve qu'il est quand même vachement préférable de suggérer l'horreur que de la montrer directement, puisque le spectaculaire, on en a déjà tous vu de partout, et à la limite, ça devient un spectacle de guignol. Ça fait plus du tout son effet. Tandis qu'une chose qui est suggérée, bah, ça va laisser l'utilisateur, le joueur ou le spectateur dans l'expectative justement de choses que sont en train de développer sa propre imagination. Et quand on lui suggère des choses horribles, laissez-moi vous dire que ce sont les pires trucs qui sortent de chacun de nous, quoi. Et je trouve cette approche super intéressante et j'ai beaucoup d'espoir pour ce jeu, dans ce jeu, pour qu'il nous montre pas directement des trucs, mais qu'il nous dirige de manière informelle vers les pires de nos peurs. C'est là qu'il aurait un grand talent. The aura in that place. I've seen others like it, but never this intense.
It was like a landfill of memories, emotions. And none of them good. Il y a des flèches sur le sol. Pourquoi je chuchote? Vous avez pas trop envie de savoir. J'avais prévenu, les gens m'écoutent jamais. Voilà, le fameux téléphone non connecté qui sonne. Oui, Mouchi Mouchi. Something. Trust me, you made the right call sending me. Yes. It's only a matter of time. I'm here. No, trust yet. Even the objects here had auras. When I touched them, I could sense their stories. Words, images, feelings left behind. D'accord, donc mon pouvoir me permet de choper des indices dans les différents objets pour m'aider à détricoter ce joyeux Bronx. Hello? Anybody in there? Locked. Obviously. There's gotta be another way. Eh oui, tu connais le dicton, chérie. La vie trouve toujours son chemin. Les papillons. Oui, les papillons, c'était le gros truc de Project Zero et ça a marqué beaucoup de monde. Mais c'est je vous le rappelle, hein, c'est une symbolique. Shit, the handle's missing. Maybe I could replace it with something. Une symbolique propre au pays asiatique. Hein? Le papillon se représentant indirect de la mort. So began the great dumpster heist of 1999. I'm starting to get tired of your shit, Neva. You better be worth it.
apprend des choses avec une simple chaussure. So it's true. The Neva massacre. I need to find this Thomas guy and get the hell out of here. Alors c'est rigolo parce que ces passages où on cherche des indices et qu'on a des visions et pas sans rappeler Ethan Carter aussi. It's locked, baby. It's locked. Trouver, tourner, chercher. Oui, il va falloir aller faire ça. Anyone? Thomas? You there? Un plan. Alors là, on se retrouve en plein Silent Hill. Oui, rappelez-vous des tout premiers. C'était assez rigolo. Et c'est là qu'on va voir si la team a bien malaxé les influences et s'en est servi à bon escient. Donc on va tourner comme une bourrique dans ce bâtiment, je pense, pendant des heures. Sachant qu'il va falloir atteindre des étages supérieurs, se balader dedans, se repérer. Certains endroits seront verrouillés, bien entendu. Et en plus, on a cette possibilité d'utiliser le monde des esprits pour franchir probablement des endroits qui seront infranchissables, j'en sais rien. On va continuer un petit peu, mais je vais pas vous en faire voir trop, parce que spoiler le jeu, c'est le gâcher. Mais il est fort probable que je restreamerai quelques passages de ce The Medium. Oui, qu'ils soient tous maudits jusqu'au dernier. Kowalski, smoke moi, machin. Ok. Et du coup, oui, je vous en restreamerai des morceaux, certainement, parce que il doit y avoir des passages vachement intéressants. Il y en aura peut-être d'autres qui seront pas réussis du tout, mais on va focus sur ce qui est bien. Soyons positifs. Ouh, la belle lampe de poche. Ouh, la grosse chaîne. Hello? Thomas? Easy, Marianne. It's just a good old-fashioned haunted hotel. Calm your ass down and answer the bell. Voilà, et maintenant que vous avez vu cette émission, bah, si ce soir vous partez en session Urbex, là, je vous souhaite réellement, sincèrement, bonne chance. Il manque plus qu'un ascenseur avec des flots de son quand les portes s'ouvrent. J'ai déjà fait celle-là, la sonnette. T'aurais-tu pu être aussi manchotte? Sadness. Is that your name? I mean, you seem pretty cheerful to me. Well, it's what I remember. My friends used to call me by a different name. But I don't remember what it was. Your friends? Oh yeah, I used to have a lot of friends here.
something happened to them? I don't really want to talk about it. That's okay. So, do you live here? All by yourself? You wouldn't believe how boring it gets sometimes. I can imagine. This place must have been... Oh, yes. So busy. People coming and going all the time. Always someone to play with. Must have been nice. It was. Not anymore. So, tell me, what happened? I remember. People stopped coming. Only a few of them stayed. But they became very sad. Very angry. They might hurt you. Thanks. But I can take care of myself. Hey, I was wondering, have you seen... Mary Ann? Yes. Would you play with me? Just for a little while. It's been so long since I played with anyone. Oh, okay, okay. But I need your help first. Yes. Yes! Anything, Mary Ann! I'm looking for a man. Thomas. Do you know him? Let me think. I've heard that name before. Somewhere. Take your time. Oh, yeah. The second floor. We can look there. Come on. Hurry, Mary. Wait. I can't go that way. Somehow. On s'arrête donc par là pour cette découverte de The Medium, qui est un titre intéressant, qui tease énormément, et dont sur cette partie que j'ai découvert avec vous, me permet pas de vous dire si le jeu est vraiment bien, faudrait qu'on aille beaucoup plus loin. Comme je vous l'ai dit, on aura l'occasion de le reparcourir ensemble, je pense, probablement. En attendant, je vous laisse avec les playlists habituelles, la généraliste, celle des shmups, et ce merveilleux bouton d'abonnement. Passez une soirée terrible.